Avant de commencer, je sais que je fais peur là pour l'instant. Pourquoi? Parce que j'ai des lentilles bleues et que j'ai fait mes sourcils. J'ai fait toujours plus fort, puis je les corrige au concealer. Donc, ne vous inquiétez pas. Premier produit que j'ai testé aujourd'hui, c'est la base NYX Cosmetics Bare With Me. J'ai le perfecteur de teint, donc je voulais trop essayer celui-là parce que j'adore le perfecteur de teint qu'ils ont sorti. C'est un des meilleurs produits que j'ai pour mon teint. En gros, c'est une gelée. Ce qui est cool, c'est qu'elle est vegan, donc c'est pas avec la gélatine, quoi. Mais en gros, je vais en prendre un tout petit peu. Ah, c'est plutôt cool comme texture. Ensuite, les gars, on va passer tout de suite au fond de teint. Alors aujourd'hui, je vais en utiliser 3 pour la simple et bonne raison que c'est pas vraiment une first impression ce que je vais vous montrer. Je l'avais essayé à Miami et je l'ai réessayé en Belgique quand je suis rentrée. C'est le Stick Hourglass Vanish en teinte cream. Le seul petit bémol, c'est qu'il est un peu trop neutre pour moi et un peu trop clair pour moi. Donc ce que je fais, c'est que je le mélange avec Born This Way. Enfin, je le mélangeais au Born This Way. Cependant, mon bronzage est déjà parti, donc je pense que je vais pas mettre trop de Born This Way. Mais plus le Ultimate Coverage de chez Becca en teinte Shell. Donc voilà, j'en entends beaucoup de bien, mais moi je suis pas trop fan. Donc bref, on va essayer. La texture est assez épaisse, vu que c'est un fond de teint stick. C'est peut-être parce que ça fait longtemps que j'ai plus vraiment mis de fond de teint stick que ça me pose un problème, je ne sais pas. Alors, je vais juste ajouter une pompe de Born This Way en teinte porcelaine et une pompe ou deux de l'Ultimate Coverage. D'ailleurs, j'en ai plus du tout. Il serait temps que j'aille m'en racheter. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout la même couleur parce que le Born This Way est vraiment foncé pour moi. J'ai pas compris parce que souvent en porcelaine, c'est... Allez, c'est ma couleur quoi. Donc, quand j'ai acheté ce fond de teint-là, j'avais pas calculé... J'avais pas testé en fait. Et j'aurais dû. Ah oui, aussi, les gars, j'avais essayé une autre éponge. D'habitude, j'utilise que l'éponge Real Techniques. Et là, j'avais commandé l'éponge Ellie Girl. Ça, c'est la Real Techniques. Ça, c'est la Ellie Girl. La Ellie Girl est vraiment, vraiment pas mal. Donc, je vous la conseille très fortement si vous aimez les éponges qui sont squishy squishy comme ça et qui n'absorbent pas tout le produit. Donc bref, assez parlé, on va appliquer son teint. En fait, j'avais mis ce mélange de fond de teint sur une photo que j'ai postée sur Insta, que je vais vous mettre juste ici. Et le Phoenix, ça avait. En plus, ça a super bien tenu pendant la journée. Donc, c'était un mélange de fond de teint que j'ai vraiment kiffé. Donc, je réessaye aujourd'hui. J'adore ce que ça donne. Je suis totalement fan. J'ai acheté le correcteur le plus connu du monde, je crois, le Tarte Shape Tape. Je suis très contente de ne pas pu l'acheter parce qu'il n'est que disponible dans les Ulta Beauty en Amérique. Donc je me le suis accaparé comme jamais. Et je suis trop impatiente de le tester. Est-ce qu'on est prêts ensemble là à tester ce petit correcteur avec un énorme embout? Moi je suis prête. Allez, let's go. J'espère que c'est ma teinte. Ouais, c'est bon. Je sais pas du tout s'il s'oxyde et tout. Parce que j'ai jamais vraiment regardé de revue dessus. Je sais juste que tout le monde l'utilise. Parce qu'apparemment, c'est un truc de malade. La première chose que je remarque en appliquant ce correcteur, c'est qu'il est ultra couvrant. Et la texture est vraiment super crémeuse. Donc ça, c'est déjà un plus. Après, on va voir comment ça s'estompe. Parce que c'est pas parce que tout le monde aime ça que moi, forcément, je vais l'aimer. Ok, donc je comprends pourquoi il a autant de succès maintenant. Il est méga couvrant.
Je suis très contente d'avoir pris une couleur un tout petit peu plus claire que la mienne parce que comme vous le voyez, ça illumine mon visage. Guys, c'est tellement couvrant, genre, what the fuck? Par contre, il y a un truc qui sent trop bon. À mon avis, c'est le gloss Fenty qui est sur les lèvres, je sais pas. Mais genre, ça sent super bon. Alors, est-ce qu'on poudre, les gars? Un peu baking en dessous des yeux. Avec la nouvelle poudre de chez Anastasia. Parce qu'elle est vraiment magnifique, elle est trop bien. Honnêtement, c'est une des meilleures poudres que j'ai eues. Je l'ai testée maintenant, ça fait une semaine que je l'emploie. Elle est vraiment bien. Je sais pas si vous voyez à quel point ça lisse en fait. J'ai vraiment près de mon arête du nez. Je suis désolée pour le format de vidéo. J'essaie de faire mon mieux pour avoir une bonne qualité, enfin, un bon format pour les vidéos de make-up. Mais il faudrait que je m'informe un peu plus. Que je compte beaucoup en faire. Il faudrait que je m'achète un miroir, vous voyez, pour que j'arrête de tout le temps mettre devant ma tête aussi. Ça, c'est pas un produit que je teste pour la première fois. C'est mon stick Fenty Beauty. Match Stick en teinte Amber. J'aime vraiment cette couleur là pour faire mon contouring parce que c'est froid comme vous pouvez le voir sans être gris quoi. Et je laisse le baking pas trop longtemps. J'ai pas voulu vraiment trop mettre mon stick Fenty, c'est juste pour mes joues que je le mets. Parce que j'ai un nouveau bronzer à tester avec vous. C'est le bronzer Kylie. C'est le Bronze. Tout simplement en teinte Toasty. Alors il m'a coûté 18$. Et j'avais vraiment envie de tester un bronzer de chez Kylie. Parce que j'avais jamais testé. Alors le packaging il est trop beau. C'est vraiment Kylie quoi. Par contre je trouve juste qu'il est un peu cheap. Pour simple et bonne raison que par exemple l'autocollant n'est pas collé droit sur le paquet. Et c'est pas la première fois que j'ai fait un produit Kylie avec l'autocollant. Bof bof, mal placé. Je pense qu'il faudrait peut-être faire un effort ou trouver une solution parce que je trouve que ça fait fort cheap et que ça casse un peu tout le packaging girly et tout de la marque. C'est un bronzer entre le chaud et le froid. C'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. C'est un bronzer entre le chaud et le froid. C'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. Kylie Jenner, who? What the fuck, man? You could do better. Elle a juste en fait mis un aimant pour coller ça. C'est une blague. Kylie Jenner, l'emballage, le packaging, faut revoir ça hein, parce que là c'est pas possible. Au moment, j'ai envie de dire. Tu dis que tu fais des efforts pour tes produits, que tu fais des trucs de ouf, mais si t'es pas capable de faire un emballage avec la poudre qui colle. Faudra m'expliquer. Et encore une chose qu'elle n'est pas cassée parce que là je répétais un câble. En fait c'est juste un aimant mais c'est incroyable. T'aurais pu quand même coller ça. Bref. Anyway guys. Avant d'utiliser ce bronzer j'ai oublié mon étape. Je vais poudrer mon teint avec la poudre de chez Revolution en teinte Matte Base Powder P1. Celle-là je l'adore depuis assez longtemps. Et je trouve qu'elle est vraiment pas mal pour fixer le teint. Elle, soi-disant, rend le teint mat. Moi, je trouve que justement, elle laisse un petit effet glowy. Et c'est ça que je kiffe vraiment avec cette poudre. Et je viens en même temps enlever mon baking. Je vais bientôt me confondre avec le mur de derrière tellement je suis blanche. Voilà. Il est temps de tester ce bronzer Kylie Jenner qui a fait péter clairement. Il y a 2 secondes, il y a 2 instants. Ah, il y a un petit miroir, donc je vais peut-être l'utiliser, sauf si ce truc-là retombe. C'est une blague, en fait. Je suis choquée, genre. Kylie Jenner, genre. Des packagings en carton. Je vais tester le bronzer. C'est parti, je vais prendre un pinceau biseauté comme ceci. Alors, pour le coup, j'ai beau juger Kylie pour son packaging. Je trouve que le bronzer s'étale parfaitement bien. Il se fond parfaitement. Je sais pas si vous pouvez le voir en fait, mais c'est un truc de malade. Ils se font de ouf.
Et je pense qu'elle avait dit dans ses vidéos qu'il était buildable, genre qu'on peut le construire comme on a envie, un ton sous léger. Mais là... Je sais pas si vous voyez la différence. Il bronze super légèrement. Je sais pas si vous voulez voir ce que moi je vois, mais je trouve qu'il est vachement pas mal ce bronzer. Après peut-être qu'il a quand même des sous-tons orangés un peu trop forts pour moi, mais honnêtement ça me dérange pas, on est en été. Et pour terminer après, je viens avec mon éponge. Quand je vous dis que cette poudre Anastasia, elle est vraiment bien, elle est bien pour tout, c'est un truc de malade. Alors pour le blush, on a un blush de chez Milani en teinte lumineuse 05 et c'est la gamme Farjo cuit en poudre. Faire un petit contouring de mon nez. Avec la palette Anastasia Contour Kit, je vous la présente plus hein, maintenant, light to medium. Je pense que tout le monde la connaît. Et je prends la couleur la plus claire et la plus froide aussi. Avec un pinceau estompeur. Avant, je faisais ça avec un pinceau. Enfin, ça dépend des make-up. Mais maintenant, je suis souvent occupée à faire mon contouring du nez avec un pinceau estompeur pour avoir un fini plus flouté, airbrush. Et je kiffe vraiment. Voilà, et je viens estomper avec mon gros pinceau. Et là, je me sens mieux. Alors, comme je disais, on va utiliser l'highlighter Colourpop en teinte flexitarien. C'est les Super Shock Cheeks. Je sais pas si c'est de la poudre ou de la crème, mais on va savoir tout de suite. C'est une magnifique couleur. Je sais pas comment vous la décrire. C'est un peu un champagne comme ça. J'adore cette couleur. C'est tellement agréable. Je crois que c'est... de la crème, je sais pas. On va tester. Can we take a moment? Alors, on va s'arrêter là avec cet highlighter parce que j'ai peur de faire des bêtises. Je pense que je préférerais encore l'appliquer quand je n'ai pas encore mis la poudre. Mais en tout cas, je sais pas si vous pouvez voir le résultat là maintenant. Moi, je trouve que c'est plutôt impressionnant, quoi. En fait, on conseille souvent de mettre l'highlighter en dernier lieu parce que c'est quelque chose qui va venir ternir le maquillage si il n'est pas adapté à votre peau. Mais moi, je voulais vraiment tester maintenant. Je vois qu'il est bien, heureusement. Maintenant, on va passer aux yeux et je vais utiliser ma toute nouvelle palette de chez Tarte Cosmetics, la Young Wild and Cruelty Free. J'adore le packaging pour commencer. Il est trop beau. Et alors, les couleurs, est-ce qu'on peut en parler ? Elles sont magnifiques. Aujourd'hui, je pense que je vais aller un peu dans les roses burgundy. Je vais commencer par appliquer la couleur Oh Dear, qui est une couleur un peu rosée comme ça. J'ai jamais testé la marque Tarte. C'est la première fois, donc on va voir si les fards à paupières sont bien ou pas. Alors la pigmentation est plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir. Je commence donc par appliquer la couleur un peu partout. Et ensuite, je viens prendre un petit pinceau estompeur, c'est le Zoeva 227 et je le kiffe vraiment. Donc, si vous avez un bon pinceau estompeur, je vous conseille. Il faut vraiment prendre son temps pour les yeux. Moi, je prends beaucoup de temps. J'aime vraiment bien que tout soit bien estompé. Quoi, les
Fight en mélangeant la couleur précédente. Oh dear. Je vais venir prendre la note parce que j'ai peur comme ceci et juste. Bon, je risque des trucs. Hein. Je ne sais pas si ça va être bien ou pas. Dans la vie, il faut risquer un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la teinte Qualified and Bare Necessities comme ceci, un peu comme un eyeliner. Alors, je sais pas si on peut voir les retombées. Comme ceci, on fait une espèce de twiggy, mais pas trop. Donc, on monte et on étend. Allons-y, tant pis. Si ça foire, tant pis, on est là pour tester. Et alors, je vais venir prendre un tout petit pinceau estompeur et estomper vraiment la limite. Pas que ça fasse une lignette. Alors, je vais venir tester les irisés de la palette. Je vais venir d'abord appliquer la couleur Your Lion. Et j'ai utilisé le Dewy Set de chez Anastasia. Je vais appliquer ma couleur Awkward, celle-ci, dans le centre. Et après, je vais venir utiliser un produit que je veux essayer depuis tellement longtemps. Je vais tester enfin, après tellement longtemps que j'ai testé ce produit, c'est le Stila en teinte Smoldering Satin et c'est le Glitter and Glow, comme ça. Je voulais trop le tester, je suis trop... Pardon. Donc d'abord là, je suis occupée à mettre le primer de cils de chez Marc Jacobs. Franchement, si vous n'avez jamais testé le primer et le mascara de chez eux, foncez. Parce que franchement, la qualité de leurs produits est vraiment vraiment bien. Donc, je viens mettre le mascara.
Avant de mettre le faux cil, je vais fixer mon teint avec le Dewy Set de chez Anastasia Beverly Hills. C'est super bon ce setting spray, j'adore. J'ai acheté un set quand j'étais chez Macy's de la marque Tarte. Donc vous receviez une paire de faux cils en collaboration avec Exterior Glam. Bon, je mettrai son Instagram. Donc c'est des magnifiques faux cils comme ceci. Je trouve super joli. Et la petite colle avec la 30th Pro. Et comment vous dire, j'ai déjà utilisé cette colle. Elle est super légère, elle fixe super bien. Et je suis ultra contente. Donc voilà, on va directement mettre les faux cils pour que ça fasse un plus beau résultat. Et en même temps que mon mascara sèche, je vais faire mes lèvres. Pour mes lèvres, j'ai utilisé le set Morphe que j'avais acheté à Las Vegas. Je vais commencer par tracer le contour de mes lèvres avec le crayon Morphe Backseat Love. Ensuite, je mets le petit rouge à lèvres assorti, donc c'est le Wifey et le packaging Morphe, j'adore, il est trop beau. Et c'est un beau nude rosé comme ceci. Ouais, et le gloss, c'est la couleur Pop, encore une fois de chez Morphe. Jamais testé, on va voir comment ça donne. Yes! J'aime beaucoup. Bon, donc passons aux fossiles maintenant. Je vais d'abord les essayer. Mais c'est celle qui. Enfin, c'est le genre de fossiles que cette youtubeuse, que cette instagrammeuse porte tout le temps. Et je suis tellement fan. À chaque fois, je me demandais ce qu'elle portait. Et là, elle a sorti une collection avec Tarte. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Je vais quand même mettre un peu plus d'highlighter. J'ai mélangé deux highlighters, le Bobbi Brown en Pink Glow et le NYX Born to Glow en L'Élu. D'abord mettre celui-là. J'ai les yeux qui pleurent. Déjà quand j'ai mis mes lentilles, j'avais les yeux qui pleuraient, mais alors là. Alors le Pink Glow, il est trop beau. Mais en gros, ça c'est le résultat final. Je fais pas souvent des bold looks, enfin si, je fais les bleus et tout, mais dans ces tons là, je fais quasi jamais. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon après, je suis habillée en habit de sport, donc c'est pas top. Dans tous les produits que j'ai utilisés, j'aime beaucoup l'highlighter Colourpop. J'adore le mélange des trois fonds de teint que j'ai utilisé. J'aime beaucoup beaucoup la palette Tarte et notamment le Stila Glitter and Glow. Je trouve que le total look donne quelque chose de très Moyen-Orient comme ça. Et les make-up Moyen-Orient, les make-up de Moyen-Orient, Maroc, Liban et tout ça, je trouve ça magnifique. Et là, je pense que ça ressemble un peu, donc je suis contente. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai été diplômée make-up artiste, donc je suis trop contente. J'ai eu la meilleure mention dans tout, sauf dans deux. Donc en coiffure, j'ai pas eu la meilleure mention, j'ai eu gold. Et en make-up infa aussi. Mais sinon, pour le reste, j'ai eu la meilleure mention, donc je suis trop contente. Mais bref, voilà, je voulais juste vous informer. Et je suis super impatiente de vous faire plus de vidéos de make-up parce que je n'en fais quasi jamais. Et je trouve que c'est malheureux parce que franchement, avec tout ce que j'ai acheté aux USA et avec le maquillage, et comme c'est ma passion, je devrais en faire en profiter. Et je devrais vous apprendre parce que je suis pas là pour
pour apprendre, mais pour vous apprendre, mais je suis tout simplement là pour vous partager ma passion. Donc voilà, je sais que c'est pas parfait encore une fois, je sais qu'il y a mieux, mais en tout cas moi c'est ce que je fais sur ma chaîne. Et si vous aimez, vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine ou en fin de semaine pour une nouvelle vidéo. Que ce soit des icônes.